Bonsoir à tous. Bonsoir Grégory. Bonsoir Québec. Et bonsoir Daniela, bienvenue à Québec. Merci, merci à tous. Merci à tous les habitants de Québec qui nous accueillent toujours avec autant d'enthousiasme. Je sais que vous êtes très fiers de votre ville et vous avez bien raison. Et j'ose dire que vous allez vous régaler ce soir avec des artistes que vous aimez déjà et d'autres artistes que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous aimerez en quittant les plaines ce soir. Nous allons rassembler justement la France et le Québec avec des artistes qui, pour certains, vont se rencontrer pour la première fois, un peu comme nous. Oui, mais on se rencontre pour la première fois, mais on va peut-être découvrir que l'on se connaissait déjà, ce qui est souvent le cas des chansons. Qui mènent des vies parallèles ici au Québec et chez vous en France. Par exemple, il y a une très vieille chanson du folklore breton qui, chez vous, parle de prison de Nantes et ici parle des prisons de Londres. C'est Louis Forestier qui chantait cette chanson en 1972. Voici Nolwenn Leroy, Louis Forestier et Mauvais sort! Contrairement aux portes des prisons ici à Québec, les portes sont toujours ouvertes pour accueillir les visiteurs, n'est-ce pas? Ici, beaucoup d'entre vous ont des origines multiples, puisqu'on parle d'origine, et souvent, il me semble, des origines bretonnes, parce que quand on se promène dans le vieux Québec, on voit des maisons sur lesquelles figurent des armoiries bretonnes. Eh bien, figurez-vous qu'en France, cette année, le raz-de-marée a été causé par une chanteuse qui a repris des grandes chansons traditionnelles bretonnes. Ce disque est aujourd'hui disque de diamant avec plus de 600 000 exemplaires vendus. Et parmi ces chansons traditionnelles, il y a aussi quelques nouveautés, dont celle-ci, Brest, une chanson sur une très belle ville de Bretagne. Nolwenn Leroy, Brest. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest?
brade le port, ce qu'il en reste. Le vent dans l'avenue changerait. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes, même au milieu d'une averse. Paris le 17 décembre prochain. Ce soir, si chacun revendique ses racines et ses origines, cela n'empêche pas évidemment le partage et la fraternité. Il s'en passe des choses ici à Québec. Et puis il se passe des choses.